commence à dire dans Zalagana Nzambe. Chatola yango na mongongo makasi na Zalagana Nzambe. Loba yango esiko zali. Di na Zalagana Nzambe. Alléluia. Père, nous te rendons gloire. Tata tozongi Seigneur Kembo. Nous t'appartenons. Tozalaka ya yo. Tu es notre Dieu. Dans ta miséricorde, tu es devenu notre Père. Nous sommes tes enfants en Christ Jésus. Père, merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Te rendons gloire et honneur au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions de nous parler par ton esprit. Nous te prions de disposer nos cœurs. Manifeste ta gloire et ta puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec les acclamations de ton peuple. Amen. Amen. Bien-aimés, nous pouvons reprendre nos places, je vous prie. Nous rendons des multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous fait grâce d'être encore là ce matin pour parler de sa part. Nous rendons grâce à Dieu pour son peuple que nous sommes, qu'il a protégé. Dieu nous a accordé par sa grâce le 10e jour du mois d'avril, ce dimanche, et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous lui disons un grand merci. Amen. Amen. Église, je vous transmets également les salutations de notre papa, le pasteur Flarin, qui est en déplacement pour la cause du royaume. Et par la grâce de Dieu, il sera des nôtres pendant la semaine. Et bien aimé, ce que nous sommes dans la joie de recevoir les salutations de notre papa. Alléluia. Amen. Donc il est dit lui-même, l'église Mirena est missionnaire. Et quand il est en déplacement, c'est pour la cause du royaume. Et c'est pour l'extension de cette œuvre. À travers les mondes, à travers les nations. Et bien aimé, nous devons prier pour lui, pour que la grâce de Dieu soit toujours son partage. Alléluia. Amen. Nous vous transmettons également les salutations de nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud en formation. Oui, c'est le capitaine de l'équipe, le prophète John, qui a envoyé ses salutations et nous les transmettons par la grâce de Dieu. Donc prions pour eux et par la grâce de Dieu, ils seront des nôtres les jours à venir. Maintenant, salue ton frère et bénis-le de la part de Dieu. Libère des paroles puissantes qui certainement vont transformer sa vie. Dites bonjour à Jérémy. J'ai retenu les noms. Hein. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 28, alléluia, amen, jusqu'au verset 44, alléluia, amen. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 28, nous allons nous arrêter au verset 44. C'est ça l'essentiel. Luc chapitre 19, verset 28, jusqu'au verset 44. Je lis dans la version Parole vivante. Il est écrit ainsi.
Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit, comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent Jésus, ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront, acclamant pour le Seigneur. Alléluia. Je vous en prie, nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, comme je le disais quand j'ai prié, de manière conventionnelle, dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, ce dimanche, c'est un jour où on se rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle communément dimanche des rameaux. Moi, j'ai rencontré des bien-aimés avec des branches des rameaux. Je pense que certainement, tu en as vu aussi en passant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons relever une chose aujourd'hui. Et certainement, vous le savez, l'entrée triomphale de Jésus n'était pas accidentelle ou le fruit du hasard. C'était l'accomplissement des paroles prophétiques. Zacharie chapitre 9. Verset 9, il est écrit ainsi. Zacharie chapitre 9. J'étais en train de dire, il est écrit ainsi. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Amen. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons relever cet aspect des choses pour que nous puissions comprendre
pour que nous puissions garder cela dans nos cœurs. Que ce soit la naissance ou la venue du Christ ici-bas, son ministère, ses paroles, les actes qu'il a posés n'étaient que l'accomplissement des paroles prophétiques. Esaïe a parlé de Jésus. Michée a parlé de Jésus. Zacharie a parlé de Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la venue du ministère des actes de notre Seigneur. Peut-être quelqu'un pourrait voir Jésus entrer à Jérusalem, monter sur le petit d'une ânesse. Une autre personne pourrait penser que c'est accidentel, qu'il le fait pour sa popularité, qu'il le fait pour que les gens le suivent. Mais bien aimé, nous venons de lire avec vous que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'était l'accomplissement des paroles prophétiques. Et bien aimé, les lecteurs de la Bible ou les étudiants de la Bible le savent, que ces paroles prophétiques ont été annoncées à Israël plusieurs siècles bien avant. Les prophètes qui ont prophétisé à l'époque où cette parole s'accomplit, ces prophètes sont morts. Donc ils ont dit des choses que leurs propres yeux n'ont pas vues. Ils ont dit des choses que leurs générations n'ont pas vues. Ils ont dit des choses, peut-être ils ont été taxés de menteurs. Quand ils prophétisaient ces choses, peut-être au soir de leur vie, les gens qui avaient entendu cela pouvaient dire: mes prophètes, tu as dit des choses, mais tu t'en vas. Tu es avancé en âge. Bientôt tu vas mourir. Lorsque tu as dit ces choses, j'avais 10 ans. J'ai 70 ans aujourd'hui. Celui qui est à mes côtés à 80 ans, celui qui est loin à 90 ans. Prophète, tu nous as menti. Tu nous as dit: ainsi dit le Seigneur, fille de Jérusalem, sois dans l'allégresse, sois transporté de joie, car ton roi vient. J'avais 5 ans, je suis allé à 10 ans. Aujourd'hui, je suis vieux. Ce que tu m'as dit ne s'est pas accompli. Je doute que ces paroles sont venues de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions intérioriser cela. Les prophètes et toute la génération des hommes et des femmes de son époque sont morts avant que cette parole ne s'accomplisse. Ceux qui ont vu Jésus sur le petit d'un âne n'étaient pas de la génération des Zacharie. C'était une autre génération de personnes qui n'ont pas vu le visage des Zacharie, qui ne l'ont pas entendu de leurs oreilles, qui n'ont pas côtoyé les contemporains de Zacharie. Mais ils avaient une chose: les paroles de Zacharie étaient consignées dans les parchemins. Les paroles de Zacharie étaient gardées par les scribes. Les paroles de Zacharie étaient une référence que la génération future pouvait consulter, lire et croire que ce que Dieu avait dit par Zacharie. Même si Zacharie est mort, même si ses contemporains sont passés, mais comme Dieu est éternel, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a fini par faire ce que Zacharie avait déclaré de sa part. Alléluia. Bien aimé, cela devait renforcer notre foi en Dieu. Alléluia. Je n'ai pas encore donné le thème, je le donnerai. Ça, ce n'est que l'introduction. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 7, verset 9, dit ceci: que notre Dieu est celui qui garde son alliance. Généralement, quand Dieu crée tout, fait des alliances, il parle. Et quand il parle, il est lié à sa parole. Quand Dieu parle, il est lié à ce qu'il a dit. Il a ordonné à Zacharie de prophétiser. Zacharie est parti. Les contemporains de Zacharie sont passés. Mais Dieu est resté constant dans ses paroles. Dieu est resté constant dans ses engagements. Dieu est resté constant dans ce qu'il avait dit. Malgré que Zacharie est passé, ses contemporains sont passés. Tous ceux qui étaient avec lui sont passés. La parole de Dieu s'est accomplie.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, cela devait renforcer notre foi. Deutéronome chapitre 7. Que je venais de donner. Verset 9 dit ceci. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime. Amen. Et qui observent ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, les textes que nous venons de lire martèlent que Dieu, il est fidèle, il garde son alliance. Alléluia. Amen. À l'époque où Jésus entre à Jérusalem, Zacharie est mort il y a très longtemps. Ses contemporains sont morts il y a très longtemps. La seule trace que nous avons de Zacharie, c'est ce qu'il a dit et que les scribes ont consigné dans les livres. Luc chapitre 4, versets 14 à 18, nous dit ceci. Quand Jésus est entré au temple, il avait demandé les livres. Il avait lu les livres du prophète Esaïe. À l'époque où Jésus lisait, Esaïe est mort il y a longtemps. Mais Jésus dit, ce que vous voyez aujourd'hui, ou la parole que vous venez d'entendre, prend corps aujourd'hui, s'accomplit aujourd'hui, et fait chair. Aujourd'hui, les gens étaient scandalisés. Jésus voudrait dire, quand Dieu parle, les porteurs du message peut ou ne plus être là. Le canal par lequel Dieu est passé peut être vivant ou non. Le canal par lequel Dieu est passé peut peut-être être en régression par rapport à la foi. Mais comme les paroles qui viennent de Dieu, porte les sceaux de Dieu, porte l'empreinte de la puissance de Dieu, porte le cachet de sa personne, cette parole s'accomplit toujours. Cette parole s'accomplit certainement. Les gens voyaient Jésus monter sur un anneau. Certains le savaient, mais d'autres ne le savaient. Si les pharisiens savaient que ce qui se passe, c'est l'accomplissement des paroles prophétiques de Zacharie, ils n'allaient pas dire à Jésus, reprends tes disciples, parce que dans les livres de Zacharie, il est écrit, soit dans l'allégresse, soit transporté de joie. Lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est dans l'allégresse, pour accueillir un roi, on ne ferme pas la bouche, on chante, on danse, on acclame. Nous voyons même bien aimé, souvent certains, quand certaines autorités reviennent du pays, nous voyons tout un comité d'organisation pour accueillir leur autorité. Il y a des gens le long des avenues, il y a des banderoles, il y a une caravane motorisée, il y a des chants, ils les font pour que leur chef soit content. Et le prophète a dit, fille de Sion, sois dans la joie, sois transportée dans l'allégresse, car ton roi est en train de venir. Si les pharisiens savaient que ce qui se passe, c'est l'accomplissement des paroles prophétiques du prophète Zacharie, ils n'allaient pas dire à tes disciples d'arrêter ce qu'ils font. Jésus a dit au verset 40, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc s'ils ne disent rien, les pierres vont faire du bruit. Ils vont m'adorer. Ils vont chanter. Vous allez entendre des voix. Montez vers moi. Si vous vous taisez, les pierres les feront à leur place. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le thème que nous allons partager avec vous, que nous vous proposons ce matin, s'intitule les actes de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a quelque chose d'important.
Dans cette histoire que nous venons de lire, Luc 19, 28 à 40, Jésus dit à ses disciples: quand vous entrerez dans la ville, ma soeur, vous voyez l'anneau attaché, détachez-le. Si quelqu'un vous demande: où allez-vous avec cet anneau? Répondez simplement: le Seigneur en a besoin. Bien aimé, nous avons un parking là avec des véhicules. Un véhicule qui ne t'appartient pas. L'on te dit: va déplacer ces véhicules-là. Si l'on vous demande, d'après vous, qui peut vous demander pourquoi détachez-vous l'anneau? D'après vous, qui peut poser une telle question? C'est la personne à qui appartient l'anneau. Nous voyons souvent des véhicules qu'on déplace. Même si on ne connaît pas forcément la personne, intérieurement on doit se dire: c'est certainement le propriétaire. Vrai ou faux? Vrai. Alors vous allez déplacer un véhicule, le véhicule du maître héritier. Je suis sûr que ce sera un procès. Après. Alléluia. Amen. Je suis sûr que ce sera un procès. Parce que vous n'avez pas la clé. Pour ouvrir, il faut forcer la portière. Je suis sûr que maître vous trouvera un terme approprié pour vous clouer davantage. Alléluia. Amen. Mais ces personnes, sans se poser des questions, ils détachent l'anneau. On leur pose la même question. Ils disent que le Seigneur en a besoin. Quel Seigneur? Ils sont allés, ils ont posé un acte de foi. Sans se poser des questions, ils ont fait ce qu'on peut qualifier d'une folie. Comment prendre ce risque d'aller détacher un bien qui ne t'appartient pas? Vous le détachez, vous êtes assimilé au voleur. Vous êtes assimilé au voleur. Vous voyez un anneau attaché. Vous allez les détacher. Vous déplacez avec. Aujourd'hui, on peut vous poser. Et si on ne vous avait pas posé la question, vous allez partir avec. Vous répondez que c'est le maître parce qu'une question vous a été posée. Au cas où il n'y avait pas de question, est-ce que vous allez dire que c'est le maître? Aujourd'hui, on va crier au voleur. Certainement, vous serez roué des coups. Le temps que la police ne vienne, votre situation sera très critique. Mais ces hommes, ce n'étaient pas des enfants, c'était des adultes. Ils ont posé des actes de foi que nombreux d'entre nous hésiteront pour poser. Ils n'ont pas craint la réaction du propriétaire. Ce que les gens diront, ce que les gens pourront penser, ils ont juste capté la pensée, la parole du Seigneur. Ils sont allés, ils l'ont fait. Alléluia. Bien aimé, c'est un aspect que nous devons relever. Souvent, quand nous parlons de l'entrée triomphale de Jésus, nous parlons plus de l'anneau qui a reçu les honneurs, qui a marcher sur les tapis et les pannes. Nous voyons la renommée et la gloire du Seigneur. Nous mettons l'accent sur les louanges qui montaient. Bien aimé, nous devons aussi voir l'anneau sur lequel Jésus est monté est arrivé auprès du Christ. Tout Christ est monté sur lui de quelle manière? Cet anneau n'appartenait pas aux disciples. Cet anneau n'était pas acheté. On peut dire que c'était un bien mal acquis. N'appartenait pas aux disciples. Mais quand le Seigneur dit qu'il en a besoin, le Seigneur est propriétaire de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est propriétaire de tout. Les disciples se sont dit: nous dirons que c'est le Seigneur. Si les propriétaires résistent, il va échanger avec le Seigneur qui nous a demandé d'aller chercher l'anneau. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en face d'un
Dieu ou en communion avec Dieu qui est fidèle et qui garde son alliance. Deutéronome 7 vient de nous le dire. 2 Timothée nous dit ceci. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2 verset 13 nous dit ceci. Si les hommes que nous sommes, nous pouvons devenir infidèles, c'est-à-dire ne pas tenir nos engagements, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dans d'autres versions, il est écrit, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas entrer en contradiction avec lui-même. Si Dieu n'accomplit pas ce qu'il a promis, ce n'est pas qu'une simple parole qui n'a pas tenu. Cela remet en cause son intégrité. Cela remet en cause ce qu'il est, sa divinité. Cela remet en cause sa puissance. Cela remet en cause sa constance. Dieu est constant. Dieu est fidèle. Il tient toujours ses engagements. Nous venons de le lire dans Deutéronome chapitre 7. Il est fidèle, il garde son alliance. Quand Dieu fait ses alliances, il parle toujours. Il s'est présenté à Israël comme leur Dieu, comme leur Seigneur. Il a dit, quand vous garderez mes commandements, en retour je vous bénirai. Quand je vous enverrai un prophète, écoutez ces prophètes, car ces paroles s'accompliront certainement. Alléluia. Les disciples ont posé des actes de foi. C'est alors que l'annon a été connu. Si les disciples avaient posé des questions que nous posons aujourd'hui, l'annon ne serait pas connu. Alléluia. Bien-aimé, tu as reçu des paroles. Dieu t'a parlé plusieurs fois. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu fera et celle que Dieu ne fera pas. Dieu fera les choses qui relèvent de sa puissance, qui relèvent de son autorité, qui relèvent, c'est-à-dire qui dépendent de sa puissance, c'est-à-dire des choses que nous ne pouvons pas faire, des choses qu'humains que nous sommes nous ne pouvons pas accomplir. C'est ce que Dieu fera. Mais les choses qui relèvent de nous, Dieu ne les fera pas. Dieu ne fera que des choses que lui seul peut faire. Dieu, il libère des paroles prophétiques. Il dit à travers ses serviteurs que certainement je te bénirai, certainement je t'ouvrirai la voie, certainement tu vas enfanter, même si ton dossier médical dit le contraire, même si ton dossier médical dit que tu ne peux pas enfanter, Dieu te dit que tu enfanteras, c'est-à-dire mène une vie comme une femme normale. Tu es dans ton mariage, les médecins t'ont dit que tu ne peux pas enfanter, mais Dieu t'a dit que cette année tu enfanteras. Bien aimé, mène une vie comme une femme normale. Alléluia. Amen. Tu fais ta layette, tu demandes, Seigneur, donne-moi tel enfant. Ce n'est pas un péché de demander un garçon ou une fille. Dieu est notre Père, il peut te l'accorder par sa grâce. Ce n'est pas un péché. Je connais plusieurs personnes qui ont fait de telles prières et que Dieu a exaucé dans son amour. Alléluia. Amen. Mais si tu te dis, je peux prier, mais je sais, je suis conscient que j'ai été opéré, on a enlevé telle chose, j'ai vu, je suis conscient que j'ai été opéré en telle année, telle chose a été enlevée, mais je sais que pour qu'un enfant soit conçu, il faut que la chose qui a été enlevée soit là. Je sais, mais comment Dieu peut me dire? Certainement cette parole ne vient pas de Dieu. Il va même te dire, soyons réalistes. Alléluia.
Amen. Nous l'avons dit et nous le dirons toujours. Si Dieu dit que tu vas concevoir, la manière dont cela se fera, c'est son problème. Ce n'est pas notre problème. Marie a posé la même question à l'ange. Je ne connais pas encore d'homme. Comment puis-je concevoir? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. J'aime la conclusion de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, car rien n'est impossible à Dieu. Si nous devons poser des actes de foi, mon frère, si nous devons poser des actes de foi, ma soeur, c'est parce que les dieux en qui nous croyons, rien ne lui est impossible. Gabriel a dit ceci. Gabriel a l'obiboye. Les dieux que vous invoquez sur la terre, c'est lui que vous adorez, c'est lui que vous acclamez. Moi j'habite le ciel, je sais de quoi ce Dieu est capable. Vous voulez louer, vous habitez la terre, vous n'habitez pas le ciel. Vous chantez pour lui, vous l'acclamez, vous priez, mais nous autres qui sommes anges habitons le ciel, voyons sa gloire. Nous savons de quoi ce Dieu est capable. S'il parle, il crée. S'il pense, il fait. S'il nous dit des choses, nous les faisons. Et s'il te dit que tu vas enfanter, crois que tu enfanteras parce que rien ne lui est impossible. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mon frère, ma soeur, nous devons poser des actes de foi. Chaque semaine, les cultes ordinaires ou les séminaires, les conventions, nous recevons des paroles des hommes de Dieu qui déclarent: ma soeur, tu es bénie, tu ouvres la voie. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces paroles? Nous devons croire en ces paroles. Nous devons le pratiquer. Parce que la foi appelle les futurs au présent. La foi amène les futurs au présent. Si tu veux que les futurs que Dieu t'a promis par les paroles prophétiques de ses serviteurs arrivent au présent, manifeste ta foi, pose des actes de foi. Les actes de foi que tu vas poser vont prendre ton futur et l'amener au présent pour que tu vives, tu expérimentes ce que Dieu a déclaré. Si les disciples sont allés sans hésitation, sans poser de questions, détacher l'anneau pour que Jésus, ce qu'il a dit, s'accomplisse, nous devons faire la même chose. Hébreux chapitre 11, c'est là que nous allons terminer. Verset 1er. Nous connaissons ce passage. Mais bien aimé, j'aime lire cela dans la version Martin. La version Martin. Alléluia. Amina. Il est écrit: hein? Or la foi rend présente les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Alléluia. Amen. Dans la version Louis II, il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais dans la version Martin, on a écrit: la foi rend présente, donc amène au présent les choses du futur. La foi les amène au présent. C'est comme ça que la version Martin traduit Hébreux 11 verset 1er. La foi c'est rendre présente les choses qu'on espère. L'espérance est au futur. Et les choses qu'on rend présent se manifestent au présent. Alléluia. Amen. Les actes de foi enfanteront les miracles. Les actes de foi amèneront au présent les choses du futur. Les actes de foi vont matérialiser les choses que tu attends recevoir de la part de Dieu. Les disciples l'ont fait. Jésus a dit: allez au village, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le, amenez-le-moi. Si l'on vous pose des questions, que faites-vous? Répondez: le Seigneur en a besoin. Ils ont pris un risque. Ils pouvaient être molestés, traités de voleurs, agressés, même tués.
parce qu'ils déplaçaient un bien qui ne leur appartenait pas. Mais puisque c'était la parole du Seigneur, ils se sont levés avec foi, ils ont posé des actes, ils sont allés, ils ont ramené l'anneau, et l'anneau est connu parce que des hommes ont posé des actes de foi en amont. C'est alors qu'on parle de cet anneau. Bien aimé, nous sommes au mois d'avril. Nous avons commencé cette année avec vitesse le programme des 35 jours, perspective 2022, semaine après semaine, matin comme soir. Nous avons reçu des paroles prophétiques. Après ce programme, le mois de février, le mois de mars dernier, nous étions bénis. Bien aimé, tu peux dire, mais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis, tu m'avais dit de bâtir un hôtel, je le fais. J'ai apporté mes offrandes, j'apporte mes dîmes. Seigneur, j'attends. Bien aimé, lève-toi, va détacher l'anneau. Va détacher ton anneau. Lève-toi aujourd'hui, pose des actes de foi. Ton anneau n'attend que toi. L'anneau est attaché. Ce n'est pas Jésus qui va les délier. C'est toi qui dois le faire et aujourd'hui. Lève-toi. Va chercher cet anneau. Va le détacher aujourd'hui. Parce que le Seigneur est avec toi. Sa faveur est avec toi. Sa grâce est avec toi. Cet anneau n'attend tant que toi. Mon frère, lève-toi aujourd'hui. Ma soeur, lève-toi aujourd'hui. Pose un acte de foi comme les disciples l'ont fait. Tu connais ton anneau. Tu connais ton anneau. Lève-toi aujourd'hui et va le détacher. Si tu ne le fais pas, il restera là. Si tu ne le détaches pas, il restera au même endroit. La gloire de Dieu ne viendra pas sur lui. Parce que les actes de foi que tu devais poser, tu ne les as pas encore posés. Le Seigneur ne le fera pas. Jésus, en disant « Allez », il assure ses disciples: vous avez mon soutien, vous avez ma grâce, celui à qui vous allez parler, j'ai déjà disposer son cœur en votre faveur. Donc il ne va pas résister. Parce que le cœur des rois, le cœur des propriétaires, le cœur de toute personne qui a une certaine préséance sur toi est entre les mains du Seigneur. Il a le pouvoir de l'incliner là où il veut. Il a le pouvoir de l'incliner en ta faveur. Quand le Seigneur dit allez, il veut dire aux disciples: vous réussirez. Car celui à qui appartient l'anneau, j'ai disposé son cœur en votre faveur. Il ne vous dira pas non, il vous dira oui. Et c'est ce qui s'est accompli. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte ce matin à poser les actes de foi. Les actes de foi que nous connaissons. Le Seigneur nous exhorte d'aller détacher notre anneau. Si nous ne le faisons pas, l'anneau restera attaché. Nous devons poser les actes de foi aujourd'hui. Certes, tu as reçu une parole comme les disciples l'ont reçu. Bien aimé, tu connais où se trouve ton anneau. Lève-toi et va les détacher aujourd'hui, maman. Papa va détacher ton anneau. Ne dis pas que est-ce que je vais échouer. Le Seigneur a donné cette parole spécialement pour toi. Cette parole, c'est ton réma. Cette parole, c'est ta révélation. Elle est taillée sur mesure pour toi. Et le Seigneur t'accompagne. C'est lui, celle ou ce vers qui tu iras.
Le Seigneur t'a déjà précédé. Le Seigneur a disposé leur cœur en ta faveur. Le Seigneur t'a déjà précédé. Donc leur cœur est un terrain disposé pour toi. Lève-toi aujourd'hui. Pose l'acte de foi que tu n'as pas posé depuis. Et va détacher l'anneau. Cet anneau n'attend que toi. Il attend que tu viennes. Que tu le détaches. Que tu partes avec. Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, ne doute pas. Notre Dieu est fidèle. Nous venons de lire qu'il garde ses alliances. Quand Esaïe a prophétisé au sujet de cet anneau, cet anneau n'était pas encore né. Les propriétaires de l'anneau n'étaient pas encore nés. Jésus n'était pas encore sur terre. Quand ces paroles s'accomplissent, Esaïe est mort. Mais ces paroles se sont accomplies quand même. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. À perspective 2022, au mois de février, tous les mois de mars. Et ce matin, Dieu te parle encore. Ce que tu as reçu comme parole, ça c'est la part de Dieu. Ta part aujourd'hui, c'est de t'élever. Pose un acte de foi et va détacher ton anneau. Délie cet anneau aujourd'hui et tu verras la manifestation de la gloire. Au nom de Jésus, je te prie de prier. Alléluia. Seigneur, merci. Kolo matondo. Merci d'honorer notre foi. Matondo komé mi akondi manabiso. Merci de nous rappeler ce matin matondo kobati sabiso tongo alelo. Les actes de foi que nous devons poser. Ikele akondi mo esengeli biso to sa. Tu es ce Dieu fidèle. Ozantambo aza sembo. Qui garde son alliance. Oyabate la kaboyo kanina ye. Tu ne peux te régner toi-même. Okite komi wanga na yo moko. Esaïe a prophétisé. Isaïa sakola ki. Ces paroles se sont accomplies. Maloba oyo ekokisa maki. Quand bien même Atako qu'Esaïe n'était plus là, Isaïe moko a ni ses contemporains. Atape ba ya tango na ye. Zacharie a prophétisé. Zacharie a sakola ki. Il n'était plus là. Ni ses contemporains. Mais puisque c'était ta parole, elle a fini par s'accomplir. Le roi est entré à Jérusalem, monté sur un anneau. Jérusalem était transportée d'allégresse. Père, Tata, merci de nous rappeler matondoko, de poser des actes de foi. Merci.
Car aujourd'hui nous détachons notre amour. Nous les détachons aujourd'hui. C'est notre jour. Merci car aujourd'hui nous détachons l'amour. Nous posons les actes de foi comme les disciples l'ont posé. Comme des fous. Sans poser beaucoup de questions. Oui Père, nous sommes animés de la même folie. Nous sommes animés de la même folie. Nous sommes animés de la même folie par le Saint-Esprit. Oui Père, que la folie de ton esprit nous anime aujourd'hui pour que nous puissions agir avec assurance et détermination pour que nous puissions aller détacher notre anneau afin que l'histoire de notre vie puisse changer, prendre une vitesse autre que celle de la prière. Depuis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous